Salut tout le monde. Notre cours pour aujourd'hui portera sur le deuxième module de la première année du baccalauréat, à savoir lire et comprendre une tragédie classique modernisée, Antigone de Jean Anouilh. Cette même pièce, écrite en 1942, représentée sur scène pour la première fois en 1944 et éditée dans les éditions de la Table Ronde en 1946. Avant de présenter cette pièce de théâtre, on fait ensemble un petit rappel de ce qu'on pourrait appeler mode littéraire. Alors Aristote distingue entre deux modes littéraires, à savoir le mode narratif et le mode dramatique. Le mode narratif veut dire tout simplement quand on imite en racontant. Et le mode dramatique veut dire quand on imite les gens en train d'agir, les gens en action sur scène. Alors le premier cas nous donne le récit, toutes sortes de récits. Le deuxième cas, au contraire, nous donne le théâtre. Alors nous avons ici le théâtre. Ce dernier, on le subdivise en deux genres. Nous avons d'un côté la tragédie et d'un autre côté la comédie. La comédie met en scène des personnages roturier, populaire ou bourgeois. La tragédie met en scène des personnages nobles, des personnages mythiques ou légendaires. Exemple, des dieux, des demi-dieux. On pense à Zeus, on pense à Électre, on pense à Ulysse, à Hector, on pense à Phèdre, à Pérouse. De toute façon, les personnages de la mythologie grecque, qui sont donc des personnages qui nous sont supérieurs. Voilà, merci pour votre attention et on passe à la suite.